1974-2024, voilà jour pour jour que la chorale Centre évangélique de Mpaka totalise 50 ans d'existence. Et pour bien meubler cet événement anniversaire, une série des concerts cultes et séances d'intercession seront programmées pendant 6 jours dans l'optique de glorifier intensément l'Éternel. Pour la première journée marquant les festivités de ce cinquantenaire, un culte d'ouverture avec introduction au thème général « Marchant de même pas » a été organisé. L'occasion pour le pasteur Robert Keta d'interpeller le peuple de Dieu de s'unir autour de la vie spirituelle et tout en suivant les traces du Seigneur Jésus-Christ. Le tout dans la grâce et la paix donnée par Dieu le Père. Pourtant, la célébration de cet anniversaire arrive à point nommé. C'est de permettre à la première chorale de Mpaka de jeter un regard sur le rétroviseur, car le chemin a été parsemé d'embûches et de succès pendant une cinquantaine d'années. Au point où nous sommes parvenus, alors là, Paul dit, marchons des mêmes pas. Alors cela fait appel à l'amour, à la communion des saints. Il s'agit pour nous de nous aimer les uns les autres, il s'agit pour nous de souhaiter que les forts puissent soutenir les faibles, afin que l'Église bâtie par le Seigneur puisse être une Église semblable au corps de Christ, dont nous voyons les membres, la main, les pieds, la tête, le tronc, et tous constituent le même corps. Les serviteurs du Dieu qui ont tenu à être témoins oculaires de cet événement anniversaire se réjouissent de ce que l'appel lancé par la chorale Centre évangélique de Mpaka a été favorablement accueilli. C'est un symbole de communion, d'unité et d'assurance d'aller plus loin dans la vie du Christ. Ce premier jour paraît une réussite parce qu'au moins la motivation est là. Et le groupe d'abord lui-même, il est motivé et ils ont intéressé les autres. Et les autres aussi ont répondu présent. Cela nous réjouit et cela nous rassure que cette recette sera une réussite. Après un demi-siècle de vie, la chorale Centre évangélique de Mpaka entend relever plusieurs défis dans les années à venir avec comme objectif récupérer tant soit peu les âmes perdues en vue de mieux bâtir la maison du Père Céleste.